Salut à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la première série de figurines de Blacklist Games, les créateurs donc de AlterQuest, de Street Masters et maintenant aussi de Brook City. Et le gros pledge est enfin arrivé. Alors il y a des trucs en plus que j'ai pris que je regrette un petit peu parce que c'est des packs de portes. J'en avais déjà un pack en plus avec ma. Et je pensais que c'était différent aussi avec AlterQuest. Et je crois que pour les décors c'est pareil, j'en ai fait en plus, donc il y a des chances que... Alors ça c'est les lurkers, donc ça c'est cool, et scénario pack en plus. J'aurais peut-être pas dû, parce que vu comment se joue le jeu, je pense que c'est pas utile, mais ça peut être utilisé pour d'autres jeux. Donc à voir. Alors qu'est-ce que c'est que cette série Fantasy Series 1? Donc c'est un tirage que de miniatures. C'est un tirage de miniatures, avec un beau reflet, je vais peut-être le retirer. Et vous allez pouvoir le constater, le produit contient un nombre de figurines important. Voilà, on a la boîte un peu plus sympa. Et surtout, on a une boîte de stretch goal qui est plutôt énorme. Et on va peut-être commencer même par celle-là, par les stretch goals. Voilà la boîte de stretch goal. Donc évidemment, c'est que des figurines, il n'y a pas de jeu. Alors à quoi ça sert d'avoir que des figurines comme ça? Eh bien c'est que ça vous sert dans tous les jeux qui nécessitent des miniatures comme Rangers of Shadow Deep ou plusieurs jeux qui existent comme ça, parfois qui sont en PDF même, des jeux de miniatures, des jeux d'escarmouche ou d'aventure. Et évidemment, là ils sortent en ce moment, il y a une vague 2 qui sort, donc c'est la Fantasy Series 2 qui sort avec un jeu de figurines. Donc vous pourrez utiliser ces figurines là sur n'importe quel jeu, mais en plus ils vont faire un jeu qui s'appelle Lasting Tale plutôt, où vous aurez sûrement toutes les fiches de personnages pour ces monstres là, mais on est sur de la fantasy assez générique, même si là c'est très robot. Je crois que l'échelle c'est 28 mm si je me trompe pas. On n'est pas sur de la grosse figurine mais de la petite plutôt. Je crois que même c'est peut-être plus petit qu'AlterQuest, je crois, non? C'est du plastique dur, donc je ne sais pas si c'est très fragile. En tout cas, elles sont très très détaillées. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Elles sont vraiment assez sympas. On est, je crois, sur encore une meilleure qualité qu'AlterQuest. Et du coup, je suis content, parce que je vais me mettre à Rangers of Shadow Deep, et je pense que ça me permettra d'avoir pas mal de choses avec. Il y a des insectes, il y a de tout. Il y a du nain, il y a de l'elfe. On est sur de l'heroic fantasy plutôt classique. Alors celle-là, par contre, on a un gros tas pour la cape. On a des héros, des ennemis, on a de tout. Donc c'est pas différencié, je pense, en couleur, hein, puisqu'il n'y a pas de mécanisme de jeu derrière. On a des fantômes très très sympas. Alors si vous voulez vraiment voir toutes les figurines, je vais pas faire un déballage de tout, je pense. Je vais regarder un petit peu, je découvre avec vous. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, je l'ai vu sur Facebook, elle doit être sur YouTube, qui prend chaque figurine une par une et qui la fait tourner. Et vous pouvez le voir en détail, il zoome dessus, je crois aussi. Donc c'est assez... assez sympa. Ah non, oui, c'est un squelette. Par contre, oui, j'ai vu des gens qui signalaient des soucis de proportion entre les figurines. Donc on n'est pas sur toutes les... Là, le squelette, je trouve qu'il a une toute petite tête. Par rapport au corps, c'est un peu étonnant. Ça fait vraiment très petit. Ça fait même trop petit, je trouve. Là, pour le coup, je comprends ce qu'il disait. On a une tête de squelette qui est vraiment très très petite. Alors, c'est vrai que l'armure est assez grosse. Mais ça fait... très bizarre. J'ai l'impression qu'on a une tête de squelette écrasée un petit peu. Alors qu'ici, si je regarde le squelette par rapport au personnage qui est ici... C'est bizarre. Voilà, c'est le genre de souci qui était signalé. Après, c'est leur premier jet de figurines. Je trouve que pour un premier batch de figurines, hein, on est sur quelque chose de très sympa. Hein. On a un peu de tout. Parce que mettez-moi en commentaire ce que vous pensez des figurines. Je les trouve vraiment très très cool. Il y a certaines qui sont bien cool.
Donc on a des figurines uniques, on a des figurines en des momies très classiques, on a du très classique. Ce qui est bien dans le très classique, c'est qu'on peut l'utiliser sur tout, n'importe quel jeu. Et que ça passe partout. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça c'est le premier plateau. Je vais faire le tour des plateaux, je le découvre avec vous. Il y a un truc qui s'installe plus. Hop. D'autres personnages façon fantôme. Alors, par contre, sont un peu, certaines qui sont un peu tordues, j'ai l'impression. Je sais pas. Mais celle-là, par exemple, je la trouve très très jolie. Très détaillée en tout cas. Alors, j'espère que je vais pas avoir le problème que j'avais sur les figurines Street Masters, qui, une fois basées, le contraste marchait pas bien dessus, ça glissait. Et je sais pas, je savais pas trop pourquoi. Les harpies. Les poses sont plutôt statiques. Hein. Il n'y a pas de pose de mouvement à part certaines. Comme celle-là. C'est pas très dynamique en pose. Même les héros, je crois. Ouais. Là c'est pareil. On est un peu sur les poses qu'on avait sur Street Masters pour certaines. Bon, après c'est pas très grave, mais la pose, on pinaille parce qu'une fois que c'est en jeu quelque part, c'est pour représenter un personnage. Il y a vraiment du choix dans les personnages. Donc vous avez plein de figurines uniques, plein de figurines de petites armées aussi, pour les mignons ou les petits monstres. Vous voyez qu'ici, il y en a plein qui sont uniques. Oh, bah, je peux vous faire voir comme ça finalement, c'est pas mal aussi. Je les vois en même temps. Vous voyez ici, vous avez série de 5. Alors hélas, c'est pas jouable avec Altar Quest, c'est-à-dire qu'on n'a pas de monstre équivalent dans Altar Quest, ça aurait été cool qu'ils sortent. Il y a un complément là, c'est pour Altar Quest, mais ça aurait été cool que pour chaque figurine, ils sortent un équivalent dans Altar Quest. Bon, après, j'imagine qu'il faut tester l'équilibre. Et là, on arrive sur le fond de la boîte, où vous avez un truc de malade, une géante. Donc si je vous compare avec une figurine normale, on va mettre quoi? On va mettre un carnet qu'on avait tout à l'heure. Donc vous voyez la taille de la figurine, et elle est super détaillée, très sympa la géante. Bon, après il faut la mettre en jeu. Après je sais pas si ça fait géant, c'est aussi grand que ça un géant? Ouais peut-être ouais. Pour le coup, c'est géant, mais vraiment super bien. Puis c'est une géante, c'est pas un géant, ça change. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Notre Balrog éternel. Pas mal aussi, hein. Beaucoup de détails dessus. Ah, c'est assez sympa. Là, pour le coup, c'est un peu dynamique, il tient quelque chose dans la main, il le montre. Pas comment ça a été assemblé et collé, par contre j'ai pas regardé, je sais pas s'il y a des trous. La géante est très impressionnante quand même. Et on a un dragon aussi, pas mal. Il y a tout ce qu'il faut comme détail je trouve sur le dragon. Pour garder la peinture, ça prend de la place par contre dans la boîte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une sorte de gros ours. Des élémentaires de glace et de feu. Classique. Je vous dis, c'est très très. On est sur du très classique hein, ici. Donc en plus ils sont bien, les élémentaires pour le coup on n'est pas obligé de les peindre spécialement. Les bases, il y a des bases transparentes pour les élémentaires. Ça aurait été cool qu'ils mettent tous les modèles sur des bases transparentes comme ça. Parce qu'ils sont pas texturés les socles. C'est un petit peu dommage. Vu qu'ils avaient des socles transparents,
Ça aurait été bien sympa qu'ils nous mettent tout sur des sangles transparents. Ici, on a une sorte de... C'est un golem, je pense. Ça, c'est quoi? C'est une sorte d'abomination ou un golem de la forêt, je sais pas. Il y a un champignon, ce truc. On dirait The Thing. Qu'est-ce qu'on a en grosse figurine aussi? Voilà. Bon, ça va, c'est pas trop. Hein. Et un ogre, je pense, qui est effectivement plus petit que la géante. Waouh! Alors, ça, c'est des stretch goals uniquement. Vous voyez, ça, c'était que les stretch goals. Hein. Et c'est ce qui faisait aussi l'intérêt du pledge, c'est que vous avez un rapport prix et matos qui est quand même pas dégueu. Alors c'est le premier, je pense que c'est leur premier essai, ils s'amélioreront au fur et à mesure sur les figurines. Mais c'est déjà pas mal. Et là il y a les cartes de Lurker pour Altar Quest. Voilà. Donc là c'est le caisse. Et on a la boîte, donc en fait le cas c'était ça, et l'autre c'était la boîte de Stretch Goals. Alors, on a du classique, on se retrouve avec des gargouilles une fois encore. Je sais pas si c'est exactement les mêmes que dans l'autre boîte. Je ne comprends plus du coup. Des sortes de verres. Translucide, machin, pas mal. Des hommes rats ou des kobolds. Des kobolds de ça, non? Un verre bien sympa à faire aussi, facile à peindre, je pense. Avec le contraste. Il y a du rat géant. La première rencontre de Donjons et Dragons, les rats géants. Ça, j'aurais du mal à dire ce que c'est, par contre. Des araignées géantes. Enfin, géantes, des grosses araignées, c'est aussi une bestiaire classique du crawler. Bon, rien d'extraordinaire, c'est marrant, hein, parce que ces deux séries. Finalement, je trouve qu'il y a plus de... Il y a beaucoup plus de trucs sympas dans les stretch goals. Enfin, il y en a tellement plus. C'est un peu disproportionné d'ailleurs. On se demande c'est quoi l'intérêt en fait. Alors, peut-être que c'est comme ça que ça doit marcher pour les figurines, je sais pas. On est sur pas mal de petits ennemis petits quand même. Ici on a de l'orque encore. Avec une hache. Vous voyez que la pose elle est pas. J'ai l'impression qu'il s'endort sur sa hache quand même. Les poses, elles sont pas extra. Bon, le héros. Classique. Classique. Ah, sympa celle-là. Une guerrière 2 haches. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-là. Ah, celle-là est sympa. Hein. Bien sympa celle-là. On a quoi d'autre? Un petit guerrier, ou chevalier, ou paladin, tout ce que vous voulez. Sympa. Là, ici, sur celle-là, je trouve que la proportion des têtes et du corps, tout va bien. C'est vraiment les squelettes, tout à l'heure, qui étaient un peu spéciales. Un archer... Une monk, une moine sûrement. Un monk. Et vous inquiétez pas, il y a des nains aussi. Bien, j'aime bien le nom. Et on a des morts-vivants.
du Morbihan, donc il y en a 5 hein, comme ça. Classique, classique, classique. Ça j'aime bien, j'ai beaucoup aimé quand je les avais vus en photo. Ça c'est les guerriers squelettes et je les trouve très très cool. Vous voyez que la tête là ici n'a rien à voir avec la tête qu'on a vue tout à l'heure par exemple. C'est très bizarre. Hein. Et c'est dommage. Avec l'épée cassée là, je les adore ça. Vraiment je les trouve super cool. Et c'est tout. Vous voyez que la boîte, donc la boîte principale de la série 1 est super petite. Par rapport au Stretch Goal, c'est un tout sérieux. J'ai vraiment du mal à comprendre le principe là du. Enfin, l'idée même de la campagne qui est donc. On a payé ça. Alors, c'est vrai que la boîte, du coup, c'est vrai que c'était pas cher qu'on payait ça. Et tout ce que vous venez de voir après, qui fait beaucoup plus de figurines que ce qu'on a ici, était en Stretch Goal. Alors, du coup, je vais pas gueuler trop sur la taille du squelette et de sa taille et de sa tête, parce que là, c'était en plus. Mais, ouais, c'est on arrive sur quelque chose où c'est où la partie KS et la partie Stretch Goal, il y a un déséquilibre complet. Et je trouve ça peut-être dommage, peut-être que si j'ai mis des figurines ici, dans le truc de base, il y aurait peut-être eu plus de monde. Quitte à avoir, je voyais bien, pour le même prix, dans ce cas, donc ça veut dire que pour le même prix, ils faisaient ça. Et en Stretch Goal, on avait ça, ça paraissait plus cohérent. Je sais pas, c'est très bizarre. Très 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 bizarre. Les packs de dehors, j'ai pas fait gaffe que c'était exactement les mêmes que Altar Quest. Il y avait un écart entre les deux KS. Et du coup, en plus, je pensais qu'ils seraient rapides à peindre. Elles sont pas si rapides que ça à peindre. Et c'est exactement les mêmes modèles. C'est-à-dire que c'est des portes. Il n'y a pas de porte fermée, de porte ouverte. C'est entre-ouvert. Ouais, c'est exactement les mêmes. Hein. C'est les portes d'Altar Quest et j'en ai pris beaucoup. Me disant que j'en aurais besoin pour Dungeon Crusade par exemple. Ce qui n'est pas fou, hein, je pourrais les utiliser dans Dungeon Crusade, même si c'est pas très utile. Mais bon, je suis sûrement en rond. Parce que là, j'en ai peut-être un peu beaucoup. Le Scenery Pack, c'est pareil, c'est le Scenery Pack, mais d'Altar Quest, et du coup, il sert pas beaucoup, parce que dans Altar Quest, il a une valeur de gameplay, les scènes ont des valeurs de gameplay. Mais je pensais que ça aurait été plus de meubles, plus de choses comme ça, mais en fait, c'est exactement le Scenery Pack d'Altar Quest. Ce qui fait que ça ajoute rien, je les connais déjà. Déjà peint. Est-ce qu'il y en a qui sont réutilisables facilement? Non, ouais, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est exactement les mêmes qu'Altar Quest. Donc c'est le Scenery Pack d'Altar Quest. Ouais, c'est le Scenery Pack d'Altar Quest. Donc ils sont quand même plutôt. Bon, après, ça se met n'importe où. Ça se met n'importe où. Alors ce qui va être bien, c'est que je vais peut-être pouvoir réussir cette fois-ci à pas peindre avant de retirer les étagères pour peindre l'intérieur. Et les autres, je les ai déjà fait en plus. Je pourrais me montrer à nouveau les vendre, je sais pas. J'avais pas fait attention à ça, mais je fais pas assez attention quand on dépense son argent. Et le Lurker Pack, par contre, c'est. Alors, normalement. Donc voilà. En fait, ce sont les figurines donc qu'on a vu dans les Stretch Goals. Donc ça, c'est le vrai ajout pour Altar Quest. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des lurkers supplémentaires. Donc, ils vont avec ces cartes-là pour Altar Quest. Les lurkers, c'est les monstres errants qu'on a en plus des monstres de l'ennemi qu'on affronte dans un donjon. Donc, des monstres errants qui sont différents, qui peuvent être dans n'importe quel donjon. Et là, cette fois-ci, ça nous fait ça en plus dans Altar Quest et ça en plus. Ça, c'est une grande valeur de gameplay. On va dire, parce qu'il y a des cartes en plus, avec des nouveaux lurkers, dont le squelette en question, et ça c'est super cool. Donc voilà, c'était l'unboxing de la série Fantasy numéro 1. En ce moment, il y a un caisse pour la numéro 2 avec le jeu Lasting Tales. Bah, allez voir si ça vous intéresse, c'est un jeu de figurines. Pas un jeu d'escarmouche, plutôt un jeu d'aventure avec des figurines. Je pense qu'il y a plus d'équilibre, un peu moins de combat, et plus d'équilibre entre aventure et combat. Avec un système de campagne aussi, qui est utilisable ou pas, même si je pense que c'est assez prévu pour faire évoluer vos héros de niveau 1 au niveau 10, à travers différentes aventures qui peuvent être aléatoires ou scénarisées via une campagne. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.